Oh, je suis énervé, frère. Oh merde. Oh, désolé. Pas fait exprès, je sais pas, à chaque fois que je rentre dans le Kumoko. Je te jure, je suis tendu de fou, je sais pas pourquoi. Éloignez-vous de moi. Bah ouais, mais je suis tendu de fou, je te jure, je sais pas. T'es moi. Je suis tendu. Oh putain, je suis tendu de fou. Bah tu sais. Merde. Oh putain, je suis. Non, mais là, les gars, je voulais pas faire un live GTA. Là, je veux juste. Je vais spec. Je pense pas que je vais RP. Hein. Bon, Walid, comme d'hab, bah, il vient. Ta gueule, tu casses les couilles. Vas-y, tu casses les couilles. Regarde. Le masque. Le masque. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il veut trop faire son mal alpha lui hein, c'est terrible hein. Ah, j'ai envie de lui mettre une balle en vérité, voilà. Une balle ou un C4? Oh ouais, c'est mieux. Oh, une balle c'est mieux. Oh, une balle c'est mieux en vrai. Je pense que Chahanez il est pas loin là. Il a dit, je pense que Chahanez il est pas loin. Là c'est moi je l'ai fumé. Ouais, c'est moi je l'ai fumé. Je fume déjà comme ça. Ouais, c'est moi je l'ai fumé. Qui va dire quoi? Ah, rien, j'appelle la police. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça reste entre nous hein. Moi, mon fils, les après-midi, on l'a que c'est la vérité. Hein. Il vient et il me dit, papa, policier, maison du policier, c'est-à-dire commissariat. Je spec un flic, je me mets à côté de lui, j'appuie sur le push to talk et il lâche un. Tais-toi! C'est les premières scènes RP de mon fils. Dire des grands tais-toi à des flics. Les gens RP, ils pensent que c'est une soundboard. Ils pensent que c'est du fake. Beaucoup trop malin pour son âge. Bon, on va quand même RP un peu, quoi. Genre, il pourra pas répondre. Vu qu'il est coma, il pourra pas répondre. Eh oui, sale clochard, va. On va le chercher à l'hôpital. Hein. Oui, c'est du RP, mesdames et messieurs, oui. Oui. Ça arrive même au meilleur, hein. Si tout se passe bien, normalement, il est en soins intensifs. Hein. Voilà. Oh non. Monsieur Hanet. Oh non, madame bizarre, comment allez-vous? Ça va super, et vous? Comment s'est passée la soirée du coup de samedi soir? On a ouvert 30 minutes, on a fait 10 000 de cash prize. Combien? 10 000. Non, j'ai mis toutes les informations nécessaires dans... Non mais attends, combien on a gagné? Étant donné que le DJ coûte 10 000, on a gagné 360$. Mais le DJ, je l'ai pas encore payé, je voulais le payer de ma poche si ça vous dérange pas. Attends, on a gagné combien? 10 000$. En fait, la soirée totale nous a fait revenir comme fond 10 370$. Super, c'est super. J'aime et elle beaucoup. A pas encore ouvert très longtemps. Et en revanche, j'ai une très grosse idée, mais il faut que je vous en parle. Merde. Non mais ça va ramener beaucoup plus d'argent. D'accord, ok, je suis preneur. Ça marche. Est-ce que tu peux résumer l'idée en trois mots, quoi? Trois mots. Argent. Argent. Je prends. C'est super. Argent. Ok, rappelle-moi. Salut. Est-ce que vous avez dans vos services un certain Walid McMurphy? Il ressemble à un sanglier. Il ressemble à un sanglier, apparemment. Il ressemble pas à un sanglier? Si. Il a deux trous à la place des narines. Tout va bien. Du coup, tu t'en es occupé? Tiens, il est pas mort. Ah, moi, il vient d'être pris en charge au Bénise, monsieur. Ah, il est au Bénise? Oh, super, oh, merci beaucoup. Non, il vient d'être pris en charge au Bénise, donc on s'en occupe là. D'accord, oh merde, c'est-à-dire, il est encore vivant? Ouais. Putain, vous pouvez pas mal faire votre travail un peu? Si vous voulez. D'ailleurs, monsieur Dom, ça va? Ça va, et vous? Le monsieur voudrait qu'on tue monsieur McMurphy. Ah non, j'ai pas dit qu'on tue. Non. J'ai dit qu'il glisse la civière. Ah, excusez-moi. Putain, t'es encore en vie, toi, clochard? Ça va? T'as une balle pas de toi, enfoiré. Mais c'est pas moi, frère. C'est bizarre quand même, c'est bizarre, mais à chaque fois que t'es dans... à chaque fois que j'ai un appel manqué, ah non, mais ça, attends. Mais monsieur Walid, c'est très grave ce genre de raccourci là. Ah, mais c'est pas du raccourci, c'est attends, pas du raccourci. Vous avez des preuves, monsieur Walid? Écoutez, je suis à l'hôpital. Ça tombe bien, j'arrive. Ah, attends, vas-y, à tout de suite. Oh, il y a le véhicule du gouverneur. Ok, à tout de suite. Oh la vache, on bute le gouverneur ou pas? Oh putain de merde. Là, je suis au max là. Ouais. Ah, regarde, j'ai la voiture du gouverneur là. T'es où? Ok, parking souterrain. Regarde, monte. Monte, regarde, monte. Let's go. Allez, Walid. Mais putain, mais Walid! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Walid? Allez, lève-toi. Ok. Allez, Walid. Mais. Oh, mais. Attends, mais il s'est passé quoi là? Je sais pas, tout a été trop vite. Putain. Bon, ce qu'on va faire, attends, je vais te bouger et on va appeler un EMS, d'accord? On lui dira que t'as glissé sur une peau de banane. Concrètement, c'était un peu ça, quoi. Ouais, c'est vrai que tu marques un point, putain, mais je sais pas. Ouais, t'as vu, t'es bien là. T'as vu, regarde. Enfin, j'avoue, t'es éclaté de fou. Mais regarde, j'ai le véhicule du gouverneur. Mais comment ça se fait, t'as le véhicule du gouverneur? Par contre, c'est. Je savais pas qu'il y avait autant de place. Ben oui. J'ai un plan flicat ce soir avec ça. Non, là, t'abuses. J'avoue. Non, on fait une rançon. Sur Zoop, on demande 10 000 dollars. Non, j'ai une autre idée. T'es pas chaud, on fait genre, on est le gouverneur et tout. Et on va dans les braquages et tout, de super-aide, tout ça. Course-poursuite.
Ouais, tu vois, là, je suis à deux doigts de te buter une deuxième fois, là. Vraiment. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes avec tes braquages? Mais je suis... Non, putain. Mais on est des gentils. Réfléchis un peu, Zébé. C'est très grave, là. Mais j'ai mal. Comment tu veux que je réfléchisse? Oui, je vais te mettre bien, t'inquiète. On va se poser à la plage et je vais appeler les EMS, d'accord? À la plage? Ouais, à la plage, on dirait que t'as glissé sur une peau de banane. Y'a beaucoup de gens qui mangent des bananes à la plage, croyant. Ah ouais, tu crois? Bah, j'en suis sûr. Ah, sur une glace? Sur une glace, oui, sur une glace, c'est bien sur une glace. Ouais, sur une glace, y'a plus. Peau de banane, non, c'est pas commun là. Aïe! Aïe! Oui, bah, j'ai pas le permis poids lourd, hein, croyant. Là, ça passe ou pas? Ça passe, tu penses? Ça passe. Hop là! Mais ils sont juste là, croyant, ils arrivent juste là. Oh, c'est incroyable. Ah, ils sont deux là. Ils sont très très forts, putain. Ils sont super forts. On dit que t'as glissé sur une peau de glace. Ah, ouais, sur une glace, t'inquiète. Pas bien pris, monsieur. Bonjour, madame. Rebonjour, monsieur. Ça va? Il a glissé c'est lui sur. Il devait être mort. Ouais, il a reglissé sur une peau de glace. Vous avez reglissé sur une peau de banane. Mais c'est pas vous qui étiez en train de mal vous garer à l'hôpital? Non, c'était pas moi. Oui, c'était lui. C'était lui. Non, il se garait mal, je me casse. C'est vrai, vous avez raison. Allez, crève. Non, s'il vous plaît. J'ai pas le droit. Non, elle a signé le serment d'hypocrite, elle peut pas. Ouais, je peux pas. Elle est hypocrite, mais je suis obligé de vous sauver. Ouais, mais c'est pas grave, vous êtes une bonne hypocrite. Ouais. Comment ça, bonne? Donc, attends, tu sais qu'elle est mariée, croyant? Ouais, vous êtes mariée, madame? Bah oui. Ouais. Ça se voit, okay. Elle est mariée. Ça se voit, ouais. Tu as menti. Une femme comme ça, ça s'attrape ou c'est perdu à jamais, hein? Bah, pour toi, ça va être perdu, à mon avis, hein. Attends, j'ai pas encore joué toutes mes cartes. Mais Roya, t'as pas de cartes, qu'est-ce qu'il me raconte? Il a acheté un paquet de cartes chez Action, Roya, c'est déjà délavé. Non, ni rien du tout, monsieur, ça marchera pas. Pensez à un chiffre entre 1 et 1000. Oh putain. Hein? Bah, 1 et 1000, bah, c'est soit entre 0 et 9, quoi, tu vois. Ouais, c'est un chiffre. T'es con ou quoi, toi? Entre 1 et 1000, ouais, vas-y. C'est bon, vous l'avez? Oxyde, merci. Ok, c'est quoi votre chiffre? Va te le dire. Dites, c'est pour la science. C'est quoi votre chiffre? 1000. Pouah, comme moi! Comment ça, comme toi? Bah moi aussi, ça mais ouais, je vais faire ouais, une nouvelle ouais. Technique. J'ai rien vu. Hein. Magique, hop là, allez. Voilà. Sur ce, monsieur, bonne soirée à merci vous. Merci également, bientôt. Merci beaucoup. Il devrait se réveiller dans 2-3 minutes. Ouais, je vais attendre, hein, vous inquiétez pas, je vais le piétiner. Hein. T'es pas... Il s'étouffe avec sa salive là, non? Non. Il est algérien, il a pas de salive, il est énervé. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes sûr que c'est le bruit d'un algérien, ça? Là, c'est un chat, là. Là c'est plus un félec là, Roya, c'est un chat que tu nous as fait là. La, ah c'est bon, c'est lui. Bamba mia, c'est bon, c'est lui. J'ai rendez-vous moi. Rendez-vous où? Au nord, hein? Je l'appelle. Rendez-vous au nord. Pourquoi faire? Putain, il me raccroche tout le temps. Je dois... En fait, apparemment, le nord appartient aux AOD. C'est qui celui-là? Ah, Angel of Dick. Ouais, je sais pas. D'accord. Ouais, et du Madi coup AOD. Et du coup, pour vendre dans le nord, je dois payer une taxe. Ah bah ouais, toi t'es vraiment la victime quoi, putain. De 10 000 putains de dollars. Sérieux? Bah vas-y, attends, tu veux que je les appelle ou pas? Vas-y, appelle. Moi j'ai tous les contacts de la ville, croyant. Appelle le... J'ai le contact là où j'ai. Président, j'appelle le président, vas-y. Ah ouais, toi tu parles au patron, pas à ses assistants? Ah ouais, moi pas, je parle au président. Bonsoir monsieur le président, comment allez-vous? Ça va et vous monsieur Hanès? Bah ça va super, je suis avec une putain de victime qui s'appelle Walid et qui voudrait vous voir concernant... une taxe de passation de proxénétisme dans le nord pour vendre, j'ai pas trop compris le délire. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais. On peut se donner rendez-vous, là? Bah écoutez, n'hésitez pas à passer à notre club, on est disponible dans 5-10 minutes si vous voulez boire un verre. Vous êtes où? Vous voyez la Joshua Road à Sandy Shore? Bien sûr. Et bon, on est juste avant l'angle pour aller à Grafton. C'est bon, je vois exactement où vous êtes, bougez pas, j'arrive. Allez, pas de soucis. Croyant, on a rendez-vous, je suis absolument passé où? Oh, t'as dit où? Joshua Road. C'est évident. Allez, let's go. Let's go to Joshua Road. Vas-y. Aussi, bah merci. Pas du tout, croyant. Ils sont au clubhouse. Joshua Road, direction Sandy Shore. Ah, c'est où? D'accord. Sandy Shore, c'est ici. Après, je sais pas, c'est où. Attends, voilà. Attends, la proc, elle m'appelle. Le numéro de la proc. Madame les procs, comment allez-vous? T'as le numéro de la proc. Comment allez-vous, monsieur Canet? Moi, ça va super. Écoutez, j'ai actuellement en otage la voiture du gouverneur, là. La voiture du gouverneur? Ouais, qui était garée devant la mairie, là où tu travailles, là. Ah, je l'ai là. Et où le gouverneur là? Faut que je lui parle, là, ce salopard. Bah écoutez, j'avais rendez-vous avec lui, je vais l'appeler. Ah bah super, bah donnez-lui mon numéro au pire des cas. D'accord, très bien, bah je vais lui donner. Super, merci madame la prof, bon courage, salut. Au revoir. Bah oui, bah il va me rappeler le gouverneur, eh ouais. On va aller voir les AOD avec... Maintenant, c'est ma pite, maintenant. Mais ils vont croire qu'on est indique. Mais t'inquiète pas, croyant, mais non. Ah ouais. Oh. Vous inquiétez pas, j'ai juste volé la voiture du gouverneur, hein, je suis pas policier. Hein. Garez-la juste en face, s'il vous plaît, alors. Où ça? Que ça nous attire en face. Là-bas, là? Ouais, tranquille. Hein.
Oh les péreux. Ah t'as vu ou pas, t'as vu ou pas comment ils ont paniqué. Bah, est-ce que tu peux la cacher s'il te plaît au loin pour pas qu'on ait des problèmes. Mets un buisson dessus et tout. Non ils abusent. Il y a des places de parking ici. Non mais tranquille, ouais. Là c'est caché. Là au moins il y aura pas, vous volé, pas de problème. Non vous allez bouger là ici, vous allez pas aller ici. Bah pourquoi? Il y en a un qui vient, il y en a un qui range. Mais comment ça? Vous n'êtes pas ici, ça va nous revenir sur la gueule donc. Mais on va repartir. Juste on doit voir le président. Non, mais vous êtes les AOD, vous avez peur du gouverneur ou c'est comment? Non. Vous respectez un peu les AOD. Il est stylé votre club là. Ah ça j'avoue. Allez venez, entrez. Ok. Wouh, ça fait de la musique et tout. Oh les photos et tout, putain. Ça c'est toute votre famille ça? Oh pas tout, il y a... Allez là, c'est toi là, t'es Christé quoi? Une réunion de famille ou quoi là? C'est business désolé, là Oui désolé. Dites-moi tout mes chiffres, c'est pour... C'est par rapport à la victime de mon copain là, il veut négocier une taxe avec vous là. Pour ouais bonsoir, j'aimerais pouvoir parler au patron s'il vous plaît. Au patron? Bah le président oui, bien évidemment, le big boss. Il est juste devant toi. C'est vous. Bah lève-toi okay. Quand tu parles au président, Alhamad. Désolé. Wesh. Voilà, un peu de respect, merde. Mes respects, monsieur le président. Oula, t'es un peu... un peu trop proche, là. Ah mais ça va trop vite. Écoutez, parlons peu, parlons bien. Les AOD, on se connaît pas encore. Je me présente, Walid McMurphy, pour vous servir. J'ai cru comprendre qu'apparemment, là je pose mes coronets sur la table, j'ai cru comprendre apparemment que le Nord vous appartient. Est-ce que c'est ça? Attends, pourquoi t'es énervé? Attends, tu les menaces, là, Roya, ou quoi, là? Non, c'est juste... Oui, pour c'est un câble. J'ai cru comprendre que le Nord vous appartient, c'est ça, non? Alors actuellement, sous notre, sur notre juridiction, nous avons Sandy Shore et Paletto, tout à fait, ouais, mais pas et tout le Nord complet, ça serait trop Paletto, compliqué. Paletto, c'est là où vous m'avez déjà vu vendre, on est d'accord? Ouais, tout à fait, oui. Attendez, non. C'est vous qui m'avez braqué à la sortie du bunker ou pas? Ouais, pas du tout. Ah, c'est pas vous, d'accord. Ah, c'est les autres. Ah, c'est vous. Ça braque, ok. Ah ouais. Elle a sorti d'un bunker. Vous aviez tué quelqu'un. Arrête de spoil, ils ont pas encore gardé. Comment ça t'as tué quelqu'un? Moi aussi, tu as un bunker en plus. Bon, parlons peu, parlons bien, monsieur le président. J'ai une cargaison tout droit de Medellin qui est arrivée. J'aimerais bien pouvoir la liquider un peu chez vous. Pourquoi t'as pris un accent espagnol? Normalement, il met la musique et tout. Ouais, mais je peux pas mettre la musique là. Je peux pas. On peut peut-être continuer ensemble sur ce terrain là. Si t'as envie qu'on parte sur ce point là, on va partir sur ce point là. Après, si, est-ce qu'il y a une réduction avec. Après, si je peux me permettre, monsieur les AOD, sachez que Walid est un très très mauvais payeur. C'est un fils de chien quoi. C'est-à-dire, il va jamais payer à temps. Moi, franchement, j'aurais proposé 15 000. T'inquiète pas, je suis là pour assurer ça. Dans tous les cas, s'il paye pas, on ira le chercher chez lui. Voilà. Vous savez où j'habite? On ira vous chercher dans votre bunker. Ah ouais, bientôt. J'habite où? Non, il est pas avec moi, alors il est clairement j'habite pas avec moi. Clairement dans un bunker. Non, il est pas avec moi. On fera péter le bunker alors. Il a clairement pas avec moi. Vous savez quoi? Je serai là pour le péter avec vous, ce bunker. Mais comment t'as pété un cop, toi, ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, ils sont beaucoup plus nombreux là que toi, donc. Et alors, c'est ton problème? Moi, je suis pas dedans, wesh, il est fou, lui ou quoi? Du coup, si je ne paye pas, c'est monsieur Hannes qui paiera pour moi, bien évidemment, il se porte garant. Clairement pas, non. Vous avez pas l'air d'être trop d'accord du coup. Non, c'est pas mon pote, hein. Moi je l'ai ramassé, c'est comme une pute sur le trottoir, hein. Moi je te dis direct. Hein. Ernest, s'il vous plaît, respectez-moi un minimum. Mais je te respecte, Roya, mais justement, respecte-moi, arrête de dire. Du coup, il est d'accord, c'est bon, c'est lui qui va pas payer la taxe, merci beaucoup. Voilà, 10 000 dollars du coup, c'est bien ça. Il commence maintenant, c'est à moi l'argent. Ouais, monsieur Ernest, vous avez 10 000 dollars par hasard sur vous? Dégage. D'ailleurs, monsieur Ernest, on a pas une nouvelle pour des monsieur, commandes. Vous avez fait tomber ça, je crois. À chaque fois que j'ai appelé, c'était la dernière fois je voulais des gilets, vous m'avez dit non. Ah, les gilets c'est compliqué. Uzi. Uzi. Allez, compter un peu plus loin si vous voulez, je sais pas. C'est pas mal, c'est un Uzi en vrai. Attends, lui à chaque fois il drague des meufs, il me casse les couilles. Attends, viens, monsieur le président, parle. Viens, venez avec moi, Marshall et Mason. Plus de dit combien, Mason? 125 000, lui. 125 000. Vous voulez l'avoir là ce soir dans la soirée, non? Ouais, sûrement, ouais, on peut l'avoir là. Vas-y, ok. Faut que je vous passe d'abord l'argent ou. Ça serait préférable, comme ça au moins on vous livre le plus rapidement possible. D'accord. Bah écoutez, on va faire ça. C'est combien? C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher pour toi. Tu peux mettre 25 000 si tu veux. Pas envie de tes 25 000. Déjà, va payer ta taxe, toi. C'est déjà payé, monsieur, la taxe. Ah. Lundi prochain, fidèle au poste. Fidèle au poste, quand même. Non, je vais me chercher dans ton lit. Du coup, la deuxième personne qui va vendre pour moi, c'est Chouf. Amine Chouf. Le flic? C'est un flic, hein. Voilà, c'est un flic.
Déjà, il y a Chauve dans son nom. Minch, c'est un flic, hein. Après, c'est pas un... c'est sa canne, donc en soi... Oui, oui, non, mais voilà, ah, donc c'est un flic infiltré, parce qu'il nous donne des informations de l'intérieur. Ok, okay. Trésorier, si tu peux juste noter les deux noms, s'il te plaît, les mettre sur la boîte. Donne-moi ta carte d'identité, s'il te plaît. Wow, wow, tout va trop vite entre nous, là, monsieur. Vous êtes de la police ? Presque. Ouais, je suis du FBI. Ah, c'est à vous, le véhicule derrière qui est caché. Là, vous l'avez vu comment ? Je l'ai volé, t'es du gouvernement. Comment vous l'avez volé ? Bah, regarde, attends, un petit cintre, tu le déplies, pouc, tu fais péter la serrure et c'est bon. Ah ouais, carrément. Eh bah oui. Bon, oui, ça, bah écoutez, dès que j'ai l'argent, je vous rappelle, monsieur le président, d'accord ? Allez, pas de soucis, nickel. Allez, c'est en fait. Ah ouais, c'est un gars de l'énude et tout, calme. Ouais. C'est quand tu vas faire custom ta moto, enfin ta voiture en harmonie. Oui, ça, hein, ça, Audi du Casablanca. Regarde, rappelle-moi, t'es né où toi déjà, tu m'as dit ? À Chicago, Chicago. Oh là, Chicago de Drebrelef. Sûr et certain, oh là. Moi, je l'ai grillé, lui. J'avais un grand passionné de Japon. Custom, vas-y, Inch'Allah, dès que j'ai un custom à faire, je te fais signe. Gentil, les Audi avec moi. Avec moi surtout, ouais. Tu veux combien de respect ? Le gouverneur, il veut pas m'appeler, hein. Donne, je vais l'appeler. Mais j'ai pas son numéro. Attends, j'appelle la police. L'SPD, j'écoute. Écoutez-moi bien, monsieur LSPD. Je tiens en otage la voiture de monsieur le gouverneur. C'est un gros 4x4 blindé sa mère. Je veux de l'argent. D'accord, où est-ce que vous vous trouvez actuellement ? C'est dans le nord, mais je pourrais pas te dire que je suis à Chandichor. Attention, je suis pas bête, hein. Ok, très bien. Voilà. Ok, vous avez juste le véhicule du gouverneur ou le gouverneur aussi ? J'ai le gouverneur dans le coffre. Oh putain. Ouais, et je tiens aussi Walid McMurphy. C'est mon complice dans l'histoire, ce fils des pites. Génial. Bon, ouais, bah... c'est super, ouais. Vous envoie une pause là où je suis ou pas ? Attention, évidemment, le véhicule est truffé d'explosifs, hein. Oh, merde. Ok, très bien. Ouais. Envoyez une position et okay. Vous inquiétez pas, ça va aller. On va trouver un arrangement. J'espère, ça marche. À tout de suite. T'inquiète pas, Roya, je t'ai pas balancé, Roya. Pas une poucave, toi, de toute façon. T'es fou ou quoi ? Jamais de la vie. Mathieu. Jamais de la vie. Roya, là, je pose le C4, voilà, bouge pas. Si tu sors de là, ouais, ça explose, hein. C'est ton jamais, hein. Voilà. Là, j'en ai posé 3. Bouge pas, j'arrive, hein. J'ai un plan de secours okay. du malade mental. Il est viable. Ouais, il est explosable, même. J'arrive. Putain. Je voulais pas en arriver là, croyant. Mais là, c'est crédible, pas que je suis dans la merde. Non. Je vais perdre mon PPA, moi. Non, là, t'es bien, là. Mais j'ai pas d'armes. Hein ? J'ai pas d'armes. Moi, j'ai un meilleur plan. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà le travail. Comment mais ça ? Mais non. J'ai rien. Eh, moi j'ai pas envie d'avoir un casier judiciaire, mon pote. Mais de toute façon, je t'ai balancé, quoi, déjà la police. M'a roulé de ma couverture. Mais tu m'as dit que tu m'avais pas poucave ? Oui, mais je t'ai menti, croyant. Comment ça, tu m'as menti ? Le mensonge fait partie du plan, croyant. Comment ça, le mensonge ? Croyant, tu me tapes, je fais tout exploser. Vas-y, ose me taper, vas-y. La vérité ? Ouais, la vérité, ouais. T'entends ? Non, j'entends pas. Hey, j'entends. Les hélicoptères, tout ça. Oh, j'entends. Ouais, Alejandro, ouais, tu me dois $5,000. Tu crois que j'ai pas oublié? Allez, à tout à l'heure. Mais Roya, mais là c'est pas question. Oh putain, on est dans la merde. Appelle la police, dis-leur, on va tout faire péter si jamais ils s'approchent. Oui, bonjour, le LSPD. Ceci est un appel anonyme. Je suis actuellement à Sandichor, l'aéroport de Sandichor. Si vous vous approchez, on fait tout exploser. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Pas mal les appels anonymes quand même, hein. Ouais, c'est pratique des fous, ouais. Ouais, d'accord avec toi. Ouais. Bah allez, c'est une bonne soirée, bon courage. Comment ça, bon courage? Mais bon courage de quoi? Mais t'as pété un câble ou quoi, toi? Descends de là avant que je te mette une balle. Pas de balle. Attends, j'appelle la police. Allô? Oui, bonsoir, ici le preneur d'otage de Sandichor. Ah, oui. Je détiens la voiture du gouverneur. Elle est truffée de C4. Je voudrais parler au gouverneur et avoir $10,000 et un menu. Tu veux quoi, Walid? Deux menus Big Burger. Est-ce que vous acceptez qu'il y a un négociateur qui s'approche? Oui, bien sûr. Un négociateur avec, accompagné ou seul? Non, célibataire. Je m'en bats les couilles. Non, mais accompagné d'un autre agent. Ah monsieur. Bah, pourquoi pas? Je m'en fous, moi. Ok, ça va. Bah, je transmets en radio. Ils viendront avec une voiture. Vous ne partirez pas dessus et vous faites mais pas non, mais non, mais non, jamais de la vie. Ok, pas de soucis. Allez, à tes suites. À des suites. Cache-toi, c'est ton jamais. Je pense que ça va tirer au snipper là. Là, c'est sûr, ça va snipper là. Ça snipe ou pas? Ça. Jumelle. Okay. Vraiment sûr de ton plan. Madame la proc, comment allez-vous? Oui, ça va et vous-même. Sur le fameux véhicule là. Ouais, je suis à Sandichor. Il y a tous les flics qui m'encerclent. J'ai 3 points de C4 sur le véhicule là. J'attends que le gouverneur il arrive pour en parler. Ah mon dieu. Non, mais attendez. Vous me fatiguez, ça passe d'un véhicule. Pourquoi? Vous avez mal dormi? Non, mais attendez, vous avez quoi avec le C4? Ah, c'est la chaleur, à mon avis. Vous êtes. Ah, ouais, je vois. Vous êtes en période d'ovulation, c'est ça? Ça fatigue généralement, faut prendre beaucoup de sucre, du chocolat et tout.
C'est quoi votre problème avec le C4, monsieur Canez? C'est quoi votre problème avec moi? Je comprends pas. Comment ça avec vous? À chaque fois que je vous appelle, vous soupirez comme ça. Moi, je suis gentil, moi. Je veux juste discuter avec le gouverneur, c'est tout. N'importe quoi. Déjà, le gouverneur, j'ai essayé de... Je l'ai eu. Je lui ai dit que vous aviez volé son véhicule. Il m'a dit qu'il n'y ait pas à vous parler. Ah, d'accord. Bah tant pis. Bah, la police, elle va me parler. Là, ça change la donne, donc je retourne le voir. Ah, d'accord, ok, ça marche. Oui. Ah, d'accord, bah tenez-moi au courant alors. Oui, je vous tiens au courant. Attends, c'est qui le gouverneur déjà? Ah, bah écoutez, on a vice-gouverneur, monsieur Peterson et. Non, pas Papy, je veux pas Papy, je veux l'autre. Avec monsieur Cassidy, oui. Ouais, le méchant dans le film, ouais. Ah, oui, alors attendez, je vais lui parler. Ça marche, merci beaucoup. Au revoir. Ouais, c'est qui? C'est Riggs? Oui, bah encore vous. Oui, bah je fais mon métier comme vous faites le vôtre, hein. Écoutez, là, je suis pas content là. D'après mes sources, tu te rappelles, Rick, ça veut dire que mon oncle il était mort. Oui. Je sais que c'est pas toi qui l'a tué. Maintenant, je sais qui l'a tué. Oh, c'est qui? Le gouverneur. Ce fils d'épée, c'est lui qui signe tout. Lequel? Je sais pas, le gouverneur, c'était marqué le gouverneur. Il est mort il y a un an et demi. Bon, vous savez qui était gouverneur à cette époque là? Non. Bon, ça serait déjà une bonne chose de savoir qui était gouverneur à cette époque là. Bah, c'était marqué le gouverneur, alors du coup, c'est le gouverneur pour moi. Oui, mais c'est pas le même celui d'aujourd'hui, là, ça fait 3 semaines, il est gouverneur. Mais oui, il a qu'à assumer pour ses frères qui étaient là avant lui. C'est marqué le gouverneur. Il était peut-être même opposé à ses frères. Bah, c'est pour ça que je vais discuter avec lui. Du coup, j'ai pris sa voiture en otage, j'ai mis 3 points de C4. C'est une voiture, du coup, on est compte que c'est juste du matériel. Ouais, mais bon, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le coffre, je sais pas. Bon, on va discuter avec le gouverneur. Ouais, et là, j'ai appelé la proc, elle va l'appeler. Ouais, mais je ne garantis pas qu'il va venir, hein. Bah pour sa voiture, normalement il va venir, non? Attends, le gouverneur il est pas censé être proche de ce citoyen? Oui. La procureure elle vous a dit qu'elle va l'appeler? Ouais, elle va lui parler, ouais. Au début il a dit non. Et quand il a vu que j'avais mis des points de C4, il a dit ouais, finalement oui. Ouais. Mais en fait on est obligé de tout faire exploser pour que les gens nous écoutent, j'ai l'impression. Bah non, bah attendez. Je suis un peu le joker de cette ville, quoi. Vous savez, il prend des rendez-vous tous les soirs, hein. Vous avez juste à communiquer avec lui, vous aurez pu parler sans C4. Non, on a compris. Non, moi j'aime bien avec le C4, ouais, j'aime bien. C'est fini. Là, vous avez conscience quand même que c'est illégal ce que vous faites. Ah, attendez, il y a un numéro. C'est pas bien. Monsieur le gouverneur. Vous pouvez m'expliquer comment vous faites pour récupérer un véhicule gouvernemental verrouillé devant le gouvernement? Vous appelez comment? Disons que j'ai le bras long, quoi. J'ai des facilités, quoi, que tu n'as pas, apparemment. Ah, donc on se tutoie. Bah, écoutez, c'est mieux, hein, vu que j'ai mis 3 points de C4 sur ton véhicule, Roya. Donc vous êtes un peu un David Copperfield, c'est ça? Aziz Copperfield, oui. Monsieur Aziz Copperfield, c'est ça? Non, monsieur Mathieu Khanez, pardon. Monsieur Khanez, pourquoi? Oui, c'est monsieur Khanez, oui. PDG du Burger Shot et du Galaxy, ouais. Et terroriste. PDG du Burger Shot. Terroriste, des fois, le soir, ouais. Terroriste? Ouais. Parce qu'en gros, monsieur le gouverneur, je suis pas content, ouais. Vous êtes pas content, ouais. Oui, parce que vous avez tué mon oncle. J'ai tué qui, moi? Pablito Khanez, il y a un an et demi. En bas de la page de l'exécution, c'était marqué le gouverneur. Le gouverneur. Oui, et t'as accepté toutes les conditions pour qu'il meure dans la chambre de gaz. La chambre de gaz. Donc, vous êtes donc, alors, déjà, monsieur Khanez, on va se mettre d'accord sur une petite chose. D'accord. Je ne suis pas gouverneur. Ah! Je suis vice-gouverneur. Oui, voilà. C'était marqué gouverneur et vice-gouverneur. Ainsi que tournevis ou je sais pas quoi, là. Et j'ai été élu, enfin, mandaté, il y a 2 semaines. D'accord. Ouais. Il y a un an et demi, je n'étais pas présent sur cet état. Oui, bah maintenant vous allez prendre les pots cassés, quoi, c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous allez assumer pour votre prédécesseur. Ou là pour votre précédent, ou là je sais pas comment dire. Je vais assumer quoi? Bah le fait que vous avez tué mon oncle Pablito Khanez, qui était un honnête dealer et citoyen à la fois de Los Santos. Non, mais attendez, ce que je veux comprendre. Bon, écoutez, je vous êtes où là actuellement? Là, je suis avec la police là et j'ai des snipers autour de moi. Je suis à l'aéroport de Sandy Shore sur la piste d'atterrissage. Ou de décollage, ça dépend. On arrive. D'accord, à 18. C'est bon, il arrive. Le plan continue. C'est bon, je l'ai appelé, il arrive. Votre objectif là. Mon objectif, c'est que je veux des excuses. Et je veux aussi des. Comment on appelle ça? Quand on récupère de l'argent d'un mec qui est mort. Des dédommagements. Dédommagements, voilà. Je veux des excuses nationales et un dédommagement. Oui, bah oui. Vous voulez aussi quoi? Que le président des États-Unis vous écrive une lettre? Et pourquoi pas? Oui. Je veux bien. Pourquoi? Et je veux que mon oncle soit blanchi, même s'il est mort, le pauvre. Il est mort, votre oncle. Oui, mais il peut être blanchi de manière posthume. Ouais, mais pour une voiture, c'est un peu. Ben, c'est quand même une voiture bien. Hein. Elle roule vite, hein. Ouais. Ouais. Bah ouais. L'argent, quoi. Bah oui, c'est de l'argent, quoi. Et puis en fait, là, il est où là? Ouais, il est à moi, ouais. Ouais. Monsieur Arnaud, vous avez pas pointé une seule fois depuis que vous êtes sous mandat. Oh merde, fallait pointer? Bah oui. Ah merde, ouais, mais je suis pas sorti de chez moi aussi, c'est pour ça. Je pouvais pas pointer depuis chez moi, quoi. Vous appelez. Ah, on peut. Ah, bah attendez, j'appelle. Non, mais trop tard maintenant. Voilà. Ah, je peux pas. Mais je peux quand même pointer, non? Non, mais il fallait pointer tous les jours.
Attends, ah bah attendez, bah, je vais pointer cette fois du coup. Elle bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mathieu Khanej, le terroriste de la ville. C'est juste pour c'est juste pour pointer, parce que ça fait une semaine que je suis pas pointé. Du coup là je pointe, okay. Je pointe pour les séjours pour lesquels je suis pas pointé. Et encore une fois je suis désolé. Oui parce qu'en fait j'avais fait un acte terroriste et ils m'ont relâché et je devais pointer tous les jours. Mais comme je suis un honnête citoyen, voilà je vous appelle pour vous dire que je pointe maintenant. Très bien, vous êtes où? Bah là je suis avec commandant Riggs. Et la voiture remplie de C4 quoi. Voilà, oh, voilà, voilà. 50 aussi, il y a 50. Vous êtes où là? Je suis à l'aéroport de Sandy Shore avec commandant Riggs et la voiture remplie de C4. C'est pas une blague. Il y a le gouverneur qui arrive aussi. Parce que le gouverneur il a tué mon oncle, fils des pites. Pablito Janez. Il a fait quoi? Pablito Janez, il a rien fait. Bon, il a tué 3-4 personnes ou 40, je sais pas, mais ils l'ont tué dans la chambre de gaz quoi, il y a un an et demi. Et ça me picote encore le cœur, tu vois. Quand je... Tu comprends ce que je veux dire ou pas, agent du LSPD? Je comprends, monsieur. Tu t'appelles comment, agent du LSPD, toi? Agent 98. Agent 98, d'accord, ça marche. Mm-hmm. Bon, bah, tu fais transmettre mon pointage, s'il te plaît, de la semaine, d'accord? Très bien, mais vous souhaitez quoi en échange? Pour le pointage? Riggs, je dois demander quoi contre le pointage? Hein? Bah, il m'a dit, vous souhaitez quoi en échange? Rien, juste je pointe, rien. Très bien. Il marque mon nom dans la. Bon, 98, pointé, c'est tout. Quoi, 98, t'es pas le couteau le plus affûté du tiroir, quoi, hein? 98? Oui, on vous raccroche. Ouais, hein, allez, je raccroche. Hein. Oh, alors, lui qui veut gagner 10 millions, appelle un ami, je l'appelle jamais. Hein. Ouais, c'est mort. Ouais, ça va, sinon, Riggs, vous? Bah, oui, mais là, je suis un peu abasourdi. Bah. Et puis, c'est quoi cet hélicoptère là? Vous avez sorti ça d'où? De là-bas, du hangar là-bas. Là. Vous l'avez racheté à Caillou, quoi? Comment ça, à Caillou? Ben non. Ils ont les mêmes là-bas. Oh, les fils de pute, je vais bombarder l'île. Oh, ils sont dans la merde. C'est Guzman qui vous a donné ça encore, je suis sûr. Qui ça? Oh, Guzman. Non, je connais. C'est qui celui-là? Ça va pas ou quoi? Un gars. Guzdai, ouais? C'est non, non, chef, non. Ouais, le chef, c'est moi le chef d'ici, d'accord? Du coup, là, vous allez prendre en otage une voiture, c'est la première fois. Là. Ça me... Ouais, non, une voiture gouvernementale. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est pas une petite voiture. Oui, mais ça reste une. C'est comme si. Tu vois, un chien de la police. C'est comme un agent de la police. Bah, une voiture gouvernementale, c'est comme un agent du gouvernement, quoi. Oui, mais c'est une voiture. Mais attends, mais c'est vivant, il y en a qui se marient avec leur voiture, hein. Oui, ça c'est vrai. Oui, j'ai vu. Mais là, ils leur font des bisous, tu vois. Voiture, mais... D'ailleurs, monsieur, ouais, c'est pas votre prénom? Moi, c'est Walid. Walid McMurphy. Monsieur Walid, vous m'avez dit que vous vouliez revenir de notre côté parce que vous n'étiez pas fou de ce que faisait votre collègue, c'est ça? Walid, non, commence pas à craquer. Bah, venez, commence pas à craquer. Ils ont trop fort. Dans la voiture. Walid, commence pas à craquer. Ils sont trop forts. Attends, Chocapic. Même des Golden Grams, si vous voulez. Golden Grass. Ouais, derrière là. Putain, il est dans la merde. Rix, tu connais la devinette du loup, de la chèvre et du chou? Non, dites-moi. En gros, t'as un loup, une chèvre et un chou. T'as un bateau avec une seule place. Tu dois tous les faire traverser, d'accord? Sauf que si tu laisses le loup avec la chèvre, bah le loup il mange la chèvre. Et si tu laisses la chèvre avec le chou, la chèvre elle mange le chou. Comment tu fais pour tous les faire traverser? Eh ben, je mets le chou et le loup dans un bateau. Non, t'as qu'une seule place. Ah, eh ben, je mets le loup, je le fais traverser. Ah, non, bah non, parce que la chèvre elle reste avec le chou, donc elle mange. Ah ok, c'est parce que le chou il protège, ok. Bah je sais pas, je peux tous traverser en même temps, je peux pas faire ça. Bah non, il y a une seule place. Allez, si tu réussis, je te promets que je fais pas tout péter. Je sais comment. Okay. Je donne le chou à manger à la chèvre, comme ça non. Ouais, voilà. Bah non. Je fais manger le loup à la chèvre, comme ça la chèvre et le chou ils sont dans le loup. Non mais non. C'était ça que j'avais comme idée, du coup c'est pas ça. Ah ouais, vous voulez faire tout le monde va manger tout le monde quoi. Mais ça fonctionne. C'était pas une bonne idée? Bah, premier indice, vous faites bouger la chèvre en premier. Après, je vous dis rien quoi. Bah, je fais traverser la chèvre. D'accord. Après, je fais traverser le chou. D'accord. Mais je garde la chèvre vraiment. Voilà. Oh, c'est de la triche. Bah, pourquoi c'est de la triche? Ah, j'avais pas pensé à ça. Eh ouais, tu vois. Monsieur Cassidy. Qu'est-ce qui se passe? Comment on les laisse avec vous, commandant. Ouais, vous inquiétez pas. Arrêtez là. J'ai votre véhicule en otage derrière moi. Oui. Vous avez tué mon oncle, Pablito Janet, c'est pour ça? Alors, attends, faut que je te parle. C'est mon patron. C'est mon patron. C'est mon patron du LS Tobacco. Ah, d'accord. Oui, bah c'est pas grave. Du coup, voilà, je voudrais des excuses. Parce que vous avez tué mon oncle. Enfin, vous, quand je dis vous, c'est le gouvernement. Quoi. C'est pas vous, quoi. Je voudrais des excuses nationales, voilà. A tué votre oncle. Oui, si, c'est ça, ouais. Et vous avez pas le nom. Bah non, c'était marqué le gouverneur sur le papier, moi j'en sais rien. C'est pas M. McCall à l'époque? Oh, je crois que c'est lui! Oh, le fils des putes! Robert. Je crois que c'est lui, ouais. Robert McCall, je crois que c'est lui, ouais. C'est fils des putes. Du coup, c'était lui le gouverneur. Monsieur Robert McCall a tué votre oncle? C'est ça, ouais, dans la chambre de gaz. Dans la chambre de gaz. Voilà. Et comme moi, vous vous dites, je prends en otage un véhicule vide avec rien à l'intérieur. Non, j'étais pas là, c'était parce que j'étais pas là, c'est pour ça. Ah, vous avez un petit. Voilà.
Bah non, c'est pas que j'étais un petit délire, regarde. C'est que j'étais pas sur le territoire de Los Santos. C'est tout. Moi, quand je l'ai appris, le temps de faire les démarches, le visa, avec la mention terroriste, c'est un peu compliqué de passer les barrières de la frontière. Une fois que je suis arrivé, j'ai mené mon enquête. Et j'ai trouvé le document. La chambre de gaz, exécuté dans la chambre de gaz. Par le gouverneur. Donc j'ai bien mené mon enquête, j'ai pris mon temps. Mais maintenant, on est là, quoi. À 110 heures, avec ton véhicule rempli de C4. Donc je veux un dédommagement, plus des esquisses nationales, plus un message télévisé. Voilà. Vous êtes que tous les deux. Non. Tu crois vraiment on est venu que tous les deux? T'es un malade, toi, quoi. On est une bande organisée, regarde. Là, il y a 4 snipers qui sont pointés sur toi, mon pote. Ouais. J'ai juste à lever deux fois la main comme ça, tout le monde y meurt. Là, je l'ai fait une fois, donc je pourrais pas faire une deuxième fois. Par contre, il a été accusé pourquoi? Parce que s'il a été condamné. Soi-disant, c'était un gros dealer, il aurait tué des gens, soi-disant. Mais mon oncle, c'était un honnête dealer, un honnête citoyen. C'est ça que vous comprenez pas. Il a été exécuté comme un chien dans la chambre des gaz. Mais attendez, il a eu un procès. Oui. Bah, vous savez, même avec un procès, on a condamné combien d'innocents? Qu'on a innocenté 150 voire 200 ans plus tard. Hein? C'est pas parce qu'on a un procès qu'on a eu un procès équitable, madame Laproc. Il a pas tort, il marque un point là, madame Laproc. Monsieur Canez, vous-même, vous êtes en train de faire votre propre justice de manière inéquitable. Vous demandez au vice-gouverneur de répondre aux actes d'un ancien élu il y a un an et demi. Tout à fait, ouais. Vous demandez des excuses pour des faits qu'on ignore. Le tout à fait. Au nom de la République de Los Santos, oui, tout à fait. La France, elle a bien présenté des excuses pour la Seconde Guerre mondiale, alors que c'était pas le président de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Là, bah, c'est pareil. Des carottes, non, le chou, madame, on avait Griggs. C'est la chef qui mange le chou. Hein. Je peux pas en dire plus. D'accord, donc là, vous exigez des excuses de la. Non, j'exige pas. Non. Je suis honnête, je suis gentil. Je demande gentiment, avec 3 C4, c'est vrai, des excuses par rapport au. Parce que c'est un meurtre. C'est un assassinat, même. Dit mon oncle Pablito Janez. Voilà. C'est ça, c'est pas compliqué. Vous demandez là, moi, de m'excuser au nom de. Au nom de la République de Los Santos, ouais. La République de Los Santos pour la mort de votre oncle. L'assassinat, dit mon oncle. L'assassinat de votre oncle. L'assassinat, ouais. Quand même. Donc j'ai juste à dire ça et vous rendez ouais, c'est ça, ouais. Et vous partez. C'est ça, ouais. Si je vous dis, là, solennellement, que moi, Chuck Cassidy, vice-gouverneur de San Andreas, je vous présente les excuses de la République de Los Santos pour l'assassinat de votre oncle. Oui. Là, vous allez marcher, récupérer les 24, désamorcer et repartir. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Tu veux pas des dédommagements? Non, ça, c'est pour plus tard, ça. C'est la deuxième partie du plan, ça. D'accord, ok. Et dites-nous le deuxième plan, du coup. C'est tout. Non, c'est tout. Il y a pas de. Non, je parlais à Walid. Vous vous rendez compte, monsieur Canet, quand même, que c'est la deuxième fois que vous commettez ce genre de. Oui, c'est vrai. Et comme on dit, il n'y a jamais 203. Voilà. Qualifie ça de terrorisme. Hein, comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans attends, feu. Attends, mais j'ai terrorisé qui là? Ah, ben clairement. Vous l'avez autoproclamé que vous étiez terroriste. Non, mais ça, c'est du bluff, encore une fois. C'est parce que je suis un joueur de poker. Oui, c'est bah tout. Écoutez, vos pains de C4, c'est quand même la deuxième fois, monsieur. Oh, Kenneth, mais. Là. Mais c'est pas des vrais C4. C'est pas des vrais C4, regardez. Tu vois, c'est pas des vrais C4. C'est pas des vrais, c'était juste de la poudre, il y avait rien dedans. Du coup, là, qu'est-ce qui nous empêche de vous arrêter? Bah, rien, il a présenté ses excuses, c'est bon. Bah, arrêtez-les. Ok, donc là, on peut vous arrêter. Bah, oui, arrêtez-les. Bah, pour que. Mais j'ai rien fait de mal. Non, il a rien fait, on a rien fait. J'ai rien fait de mal, concrètement. Vous avez en possession quand même un hélicoptère. Possession d'un hélicoptère sur. Mais c'est pas le mien, je l'ai trouvé ici. Vol d'un véhicule gouvernemental. Oui, ça, je l'ai volé. Non, c'est vrai, ça, je l'ai volé. Il était ouvert. Je suis rentré dedans, j'ai démarré, c'est vrai, c'est tout. Ça, on peut me le faire. Mais l'hélicoptère, c'est pas à moi, et les points de C4, j'en vois pas, moi, y'a pas de points de C4. Bah, allez-y, messieurs. Oh putain. Allez, non, mais putain. Putain, mais vas-y, quoi. Tout ça parce que je suis arabe, quoi, merde. On regarde beaucoup des blockbusters américains. Ouais, des fous. J'ai regardé Le Pianiste. J'ai regardé. Y'a plus. Bah, heureusement que c'est pas mon hélicoptère, hein. Heureusement voilà. Parce que là, franchement, j'aurais fait un acte terroriste, genre demain, quoi, par exemple. Oui, mais c'est pas le tien, tu m'as dit. Non, heureusement, c'est pas le mien. Allez, embarquez-le. Let's go. Quoi monter. Comment ça? Bon, madame Procure, je vais se donner. Allez, y'en a un qui monte dans le. Mais j'ai rien fait. Mais on a rien fait. Je suis coupable d'être innocent, sachez-le. Putain, je suis un vrai tuck, sa mère, quoi. Mais comment ils sont paniqués? Encore heureux qu'on panique, puisque vous avez dépensé. Attention. Oh putain. Mais la porte, elle était pas fermée, croyant. Oh putain. Venez sur ce 10, 20, 15. Mets-moi la ceinture, s'il te plaît. Oui, mais bien sûr, je vais vous faire ça. Vos ceintures, bougez pas. Eh bon, là, je suis bien accroché, là, c'est bon. Voilà. Là, je vais. Par contre.
Ah, je suis à deux doigts de porter plainte en vrai là. Ah, je pense qu'on. Oui. Mais oui, mise oui, en danger oui. De la vie d'autrui. D'autruche. Exactement. La porte est bien fermée malgré tout. Je te jure que non, je te jure que non. Je suis désolé. C'est pas grave, Gomez. Tu n'as que 22 ans, c'est pas grave. Avec ta gueule de 40 ans, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, mais c'est le béret, on m'a rasé le crâne, c'est pas ma faute. Le béret. Il a rasé le crâne. Voulu. Bah, le chief lui-même. Quoi ? C'est qui le chief ? Il est malade, le chief. C'est qui le chief ? C'est quoi le chief ? C'est le plus haut gradé du Lespidi. Ah, le plus haut dégradé, d'accord, ok. Gradé, ça va, madame la prof, vous allez bien ? Tout, vous connaissez ? Écoutez, ça va toujours. On se le fait quand, cette cerise jacuzzi, là ? Bah, écoutez, je pense que je vais éviter, hein. Comment ça ? Vous aimez pas les hommes mystérieux explosifs ? Oh, laisse tomber, vas-y. Ah, bah, explosif, un peu trop. Vous l'êtes un peu trop pour moi. Ouais, ça va, ça va. Je voulais juste des excuses, quoi, tu vois. C'est tout. Oh là là, mais il les a eu, ces excuses. Je demandé sans faire tout ce. Non, les gens, ils comprennent pas, des fois. Si, il a totalement raison. Non, ça, les gens ne comprennent pas. Vous avez même pas essayé. C'est Al Capone qui dit. Al Capone, c'est ce qu'il dit, madame Laproc, il dit. Avec un mot gentil, on obtient beaucoup de choses. Mais ouais. Avec une arme en plus, on obtient davantage. Bah écoutez, venant d'un homme qui est mort de la syphilis creusé dans sa cellule. Et alors, il a le droit de baiser des pites ? T'es sérieuse, toi ? Il a le droit ? C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport ? Vous êtes en train de juger, là, madame la procureure ? Je juge clairement, vous êtes en train de me donner des citations d'un homme qui est mort de manière complètement dépravée. Et alors, il est mort d'une maladie, c'est tout ? Ça veut dire que les gens qui manquent du cancer, c'est des gens dépravés. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bah bravo. C'est clairement ce qu'elle est en train de dire. Je suis d'accord. Je suis bah choqué. bravo. Alors là, super. Bravo, madame la proche. Oh putain, oh ça, c'est là. Oh bah d'accord. Ah bah c'est beau, hein. Les belles de la République de Los Santos. Hein. J'ai aucun respect pour monsieur Capone. Oh là là. Ah en plus. Vous avez pas de respect pour la mort d'un être humain, d'accord. J'ai pas dit sa mort. Vous avez dit ça. Ah bah si, vous avez dit ça. Ah si, si. Je pourrais pas sortir ces citations à lui, quoi. Votre mari, je le plains, quoi. T'inquiétez pas pour dire. Bah voilà, je m'inquiète, hein. Quand même. Faut se poser de bonnes questions. Ça se voit qu'elle fait l'étoile avec lui, je te jure. C'est sûr. Bon, allez, messieurs. Oh, je suis énervé, quoi. Oh merde. Oh, désolé. Pas fait exprès, je sais pas, à chaque fois que je rentre dans le Kumoko. Je te jure, je suis tendu de fou, je sais pas pourquoi. Éloignez-vous de moi. Bah ouais, mais je suis tendu de fou, je te jure, je sais. Je sais pas, tu. Mais. Attends-moi. Je suis tendu de fou. Enfin, tu sais. Merde. Oh putain, je suis. C'est bon, je suis calme. En fait, je suis stressé de fou, en fait, quand je suis dans le commissariat, je te jure. J'ai pas fait exprès. Madame Laproc, ce qui se passe là, c'est très bizarre, hein. Je pensais pas qu'on allait passer une soirée comme ça, mais bon. Vas-y, hein, pas de soucis, hein. Vas-y, ça, moi, ça. Bah, bougez pas, j'appelle. Oh merde. Oui. LSHD, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, j'ai mis tout le monde KO dans la salle d'interrogatoire du commissariat, en fait. C'est sérieux? Je te jure, j'ai pas fait exprès, je me suis pas contrôlé. Je suis au commissariat des Mission Row, j'ai mis la proc KO, mon pote et un flic. Oh. Je sais, je suis un thug. Je m'appelle Mathieu Rennes, enchanté. Enchanté, bah je crois qu'on se connaît déjà, du coup. Tu t'appelles comment? Néa. Oh, Néa. Non, je te connais pas. Bah si, à l'église, la dernière fois, on s'était vu. Et t'avais quitté, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu l'as retrouvé? Bah non. Yes! Oh, dommage. Dommage. On arrive, je t'attends, alors, à tout de suite. Ah là là, je suis vraiment un sauveur, hein. Là, on peut dire que je vous sauve la vie, madame la procureure, hein. Faudra en prendre compte, ça, madame. C'est ici, c'est là. C'est ici? C'est là, mais je suis encore tendu, je sais pas pourquoi. Bah détendez-vous. Ouais, je suis encore tendu de fou. Mais bon, je suis encore tendu, voilà, Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais moi aussi, ça me fait ça, monsieur, quand je lis des notes, je me mets un. Ah ouais, j'essaie de faire un tag, c'est pour ça. Remettez-vous en garde, monsieur. Je suis en garde à vue, je sais plus. Non, remettez-vous juste en garde. Allez, vous battre. Mais voilà, j'essaye. Attends, au pire, j'appelle quelqu'un. Vous voulez pas, asseyez-vous sur la chaise, monsieur. Mais je me suis déjà assoyé et ça fonctionne pas. Je suis toujours aussi tendu, quoi. Prenez l'eau dans la tasse et passez-vous un petit peu de l'eau sur le visage, là. D'accord, ok, je vais boire alors. Ah, je crois que c'est bon. C'est bon, monsieur. Oh, c'est bon. Votre addiction au téléphone, monsieur, il faut regarder votre écran toutes les. C'est ça, ça me calme, c'est mon anti-stress, c'est pour ça. Ah, c'est Sophie, ça. Il connaît toutes les meufs, lui, c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur votre note? On veut savoir. Pourquoi vous étiez en colère comme ça, là? Je voulais taguer Nick la proc, mais vas-y, laisse tomber, quoi. Vas-y, Nia, fais-moi la facture. 10 minutes, madame, même chose, sur votre visage. Aux agents de la justice et du LSPD. Ah, d'accord. Et oui. Entends ça, Walid? Ah, donc. Il paye pas. Ah, mais c'est. Mais c'est normal, ils les appellent tout le temps. C'est gratuit. Oh, je suis à deux doigts de refaire un attentat. À bientôt. Bah, mais pourquoi nous on paye? À bientôt, mesdames. Bien sûr. Bisous, au revoir. Un contrat, c'est. Oui, un contrat, c'est ça, ouais. C'est nous qui payons le contrat sur nos impôts, oui, d'accord. Bon. Ça y est, vous êtes calmé, monsieur. Et bon, je vous ai sauvé la vie, excusez-moi. Vous m'avez surtout décollé la mâchoire. Si c'est que la mâchoire, ça va en vrai. Hein. Et vous m'avez pas protégé.
Alors que votre devise, c'est protéger et servir. C'est ça. Le coup de poing qu'il m'a mis, j'ai pas vu longtemps. Vous êtes trompé de devise. Hein. Alors, madame la proc, on sort vers quelle heure? Là, il est 22h50. Alors, déjà, actuellement, 50, vous les avez mis en arrestation pour quelle faire? Pour l'instant, que refus de tempérer. D'accord, très bien. C'est donc. Bien, ouais. C'est, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, c'est beau, c'est même mal. Beaucoup. Hein. Oui. Alors, à quel monsieur... moment on a refus de tempérer? Ils nous ont dit allez, les mais mains en l'air, on a levé les mains. C'est la proc, oh. Ok, désolé. Vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail? Non. Ça sert à rien, voyons, madame la proc. J'ai refus d'obtempérer, oui. D'accord. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui vous a pris, déjà? Comment vous avez volé le véhicule du gouvernement, déjà? Comment vous y êtes? La vérité... Tu veux la vérité, madame la proc? On est là pour ça. C'est Walid qui l'a volé, voilà. Et bien là, il l'a volé et il m'a dit, écoute, viens, on fait un truc. On demande une rançon et... Et voilà quoi, tout s'est engrené. Moi, comme je suis un mec super influençable, je l'ai suivi dans son délire quoi, tu vois, c'est tout. C'est vrai que vous avez entendu parler de rançon tout à l'heure. C'est vrai, c'était son idée, ouais. Oui, parce qu'en fait, je vous explique, je suis à moins $10,000 sur mon compte. Et tout ça parce qu'il y a une facture qui a été impayée au sein du LSPD. Je voulais récupérer mes $10,000, c'est normal, je suis à découvert. C'est quoi, la boutique de l'argent facile, c'est tout. Ouais, voilà, il vaut de l'argent facile. Il a vu le truc du gouvernement, il a eu la haine contre son patron parce qu'il l'a quitté, parce qu'en gros. La vérité, ils avaient une relation, tous les deux. Voilà, la vérité, ils avaient une relation plus que employé-patron. Ouais, ça... Ça fumait pas que des cigares dans le bureau, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça roulait pas que des cigarettes, si vous voyez ce que je veux dire. Arrête, ce que je te raconte, ça reste entre nous, arrête. Et depuis qu'il est au gouvernement, Walid, il a pris le seum, comme disent les jeunes, et là, il a voulu le faire payer, c'est tout. Oui, Walid était un homosexuel, voilà, je l'ai dit, voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et ces histoires d'excuses là pour votre oncle, ça vient de qui du coup? Ah non, ça c'est pour de vrai, ça c'est une vraie histoire. Hein. Ça c'est un plus ça. Oui. Ça c'est vrai ça. Et le courrier que vous avez dit vient de la République de Los Santos, c'est ça? Bah je pense, ouais, c'est. Je pense que c'était ça. Hein. Il y avait un R, après il y avait LS, donc je pense que c'est ça. Ou LSC, je crois que c'est Los Santos County, un truc comme ça. Ah d'accord. Je sais pas. Ouais, moi, je suis pas beaucoup allé à l'école, vous savez. Je me suis arrêté en première, hein, je crois. Ouais, j'ai calé, hein. J'étais en première, après j'ai calé. D'accord, et les pains de C4, là C'est des faux, c'est des factices. Vous avez bien vu. Bah, vous avez bien vu, la voiture, elle est intacte. En effet, j'ai vu, ouais. Bon, vous vous rendez compte de toutes les forces de l'ordre qui ont été déployées, là, pour... Après, c'est mes impôts que j'ai envie de dire. C'est moi qui les paye, quoi. Hein, 22. C'est moi qui paye tes vacances. Vous vous rendez compte qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin des forces de l'ordre et que vous les appelez à... Quoi? Qui ça, par exemple? On veut des noms. Vous avez eu combien d'appels, dites-moi, 50, là, depuis quand vous étiez sur cette opération? Combien, à peu près? Une quinzaine, appels... une vingtaine? Au minimum, avec des bijouteries, des choses comme ça. Oui, mais voilà, les bijouteries, quoi, à un moment donné, voilà. Laissez les gens faire leur shopping, j'ai envie de dire. Des agressions par arme à feu et autres, ça vous en fichez qu'il y ait des gens qui meurent pendant que vous faites votre... Bah voilà, on est d'accord. Voilà, je suis pas un grand bandit, je suis un petit bandit, voilà, vous avez tout dit, vous avez raison. Un petit bandit, oui, en tout cas... Je suis un bandito, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me faire état de leur casier judiciaire, s'il vous plaît? Moi, je suis vierge. Bah, je veux dire, mon casier, quoi. Parce que Roya ou Aline, je suis pas vierge, moi, Roya. Quoi? Ah, Roya... Monsieur Calès, vous étiez sous contrôle judiciaire, il me semble. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Ah. Tout à fait. Monsieur Rennes c'est moi. A un casier judiciaire assez conséquent. Quoi? Il y a braquage de flicas. Non, mais ça compte pas, ça. Mais ça compte pas, ça, j'étais otage. Vol avec violence. Enfin, j'ai jamais été violent. Délit de fuite, j'ai jamais fui. Jamais fui. Superette, jamais de la vie, je faisais mes courses. Des choses comme ça, violence physique sur citoyens. Mais jamais de la vie, c'était un combat à la loyale. Les citoyens. Oui. Jamais de la vie, je pense qu'il y a présomption d'innocence là-dedans. Article 4 du chapitre 2. Présomption d'innocence, non mais là, si c'est dans votre casier judiciaire, ça a déjà été jugé. Hein, c'est un coup monté à mon avis, c'est un coup monté. Deux coups montés même. Et monsieur Walid, c'est quoi son nom de famille? Oh lui, Mac Murphy, il est dans la merde. Il a vente de weed, possession de weed, viol avec violence. Viol en réunion et vente de stupéfiants à des enfants pour les kidnapper. Oh, ça va pas jusqu'à là. Non. C'est. C'est marqué entre parenthèses, regardez bien entre parenthèses. Regardez pas entre parenthèses, s'il vous plaît. Oh non, j'ai pas trouvé. Ouf. Ah, t'as eu de la chance, t'as corrompu, ok, c'est bon, j'ai copié. T'auras le billet à la fin, t'inquiète. Alors, déjà, vous allez leur mettre l'amende maximum pour le non-respect du contrôle judiciaire. Attends, mais moi, je suis pas sous contrôle judiciaire, madame.
en tout cas pour Monsieur Canez, je sais plus avec qui il était. Le pain de C4 sur le SDF, là. Vous étiez avec quoi Quoi T'as mis un C4 sur un SDF C'est faux. Monsieur... C'est vrai, arrêtez de mentir. Amende maximum pour Objection, à votre honneur. Objection acceptée, dites-moi. Objectez pourquoi? Vous étiez sous contrôle judiciaire, vous l'avez avoué vous-même. Oui, oui, mais attendez, ce que vous avez dit là, je suis pas d'accord. Hein. Pas d'accord par rapport à quoi? Quand vous n'avez pas respecté votre contrôle judiciaire. Je respecte tout le monde et tous les jours, madame. Vous pouvez pas dire que je respecte pas, je suis quelqu'un de très respectueux. Pas le contrôle judiciaire, donc amende maximum pour le non-respect du contrôle judiciaire. Puis pour toutes les forces déployées là, pour rien du tout. Objection, votre honneur! Vous allez leur mettre à tous les deux l'amende max pour l'entrave à l'exercice Madame la proc. Vous dites les forces de l'ordre. Wallah, j'ai vu aucun ordre, j'ai vu aucune force. Que des trucs désordonnés et que des faibles chez la police. C'est voilà, voilà je le dis, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Et en plus, on m'a jeté du véhicule en pleine course. Je suis témoin. Je suis pas tombé tout seul. Vous m'avez agressé. Quoi ? En salle d'interrogatoire, ainsi que votre collègue et ainsi que l'agent ici. Mais jamais de la vie ! Jamais de la vie ! Je vous ai sauvé la vie ! J'ai sauvé la vie ! Attendez, vous m'avez frappé juste avant. Ah, je t'ai quand même mis la langue au fond de la gorge pour te la sortir, hein ! Je t'ai quand même sauvé, bah oui ! Bah oui ! D'ailleurs, dans ce cas-là, pourquoi moi personne n'est venu à mon secours ? Parce que toi tu pues et personne t'aime, voilà ! Pourquoi ça personne n'est venu à votre secours ? Bah, protéger et servir, non ? On n'a même pas eu le temps. J'étais au sol, vous savez. On a même agressé. Ah, oui. Putain. Du coup, je vais payer combien ? 2 TIG chacun. Et est-ce qu'ils avaient des armes sur eux ? Toi, TIG, une belle, elle. Je sais que l'agent 15 a parlé d'un Beretta sur monsieur. Oh non, j'avais rien, moi. Ah non, j'avais rien. En demandant en radio. Oh, objection, votre honneur, j'avais rien dit au Beretta. Alors, vérifiez. Je crois que je suis avec des Italiens. 15 de 50. Sur monsieur Ranez, vous avez saisi un Beretta, c'est ça ? Non, il y avait rien. Vas-y, bonne soirée. Bonne soirée. Mais écoutez, on se dit à la prochaine, Charla. Prenez soin de vous. C'est un plaisir. Bon courage. Oh, rassisez-vous, messieurs. Ah, rassoyez-vous. Plutôt. C'est pas terminé. Hein. D'accord. On parle de 4 feux d'artifice, donc, et un Beretta. Donc, ouais, bah, on peut garder les feux d'artifice et on enlève le Beretta, quoi. La possession d'armes illégales, ça va. Mais j'ai mon PPA, comment ça ? Ah, vous avez votre PPA ? Bah alors là, moi. Mais bien sûr ! Ah, même plus maintenant, je vous le dis. Comment ça ? Il va être enlevé. Quoi ? Il ou pas, monsieur Canet ? Bien sûr, je l'ai. Je vérifie. Mais bah, il ne l'a pas sorti, et à aucun moment il l'a sorti son... Je l'ai pas sorti, mais le Beretta. Mais bah, pourquoi monsieur il est légal si c'est PPA ? Seulement un permis de conduire. Non, j'ai un P... Mais c'est ça pas de PPA, mais avec un permis de conduire, mais je peux conduire des armes avec un permis... Absolument pas, vous pouvez juste conduire des véhicules. Oh les fils des putes, ils m'ont dit avec le permis de conduire, tu peux conduire des Beretta. Oh les fils des putes. Alors là, j'ai porté plainte, là, ça va aller loin cette histoire. Hein. Vous leur mettrez aussi la mini pour le chantage, hein. 500$ chacun. Comment ça, le chantage ? L'hôpital est rendu à combien ? Parce que là... Quel chantage, madame la... combien, là ? Comment ça, quel chantage ? Vous rigolez ? Vous avez fait venir tout le monde pour avoir des excuses. Mais c'est pas un chantage, madame ! C'est une prise d'otage ! C'est une prise d'otage, c'est pas du chantage ! La prise d'otage, je vous le dis, hein, c'est la prison pour un bon moment. Oh, que j'en ai à foutre, moi, je suis un thug. Tu crois que j'ai peur ? C'est, bon, quoi, c'est attends, la c'est... même chose, monsieur Pat Murphy, surtout. Non, clairement pas. Non, oui, chantage, je suis entièrement d'accord avec vous. On a fait du chantage, oui. Évidemment. Bon, vas-y, prise de chantage. Chantage, on est sur la total... personne du vice-gouverneur. Wow, sur le total de combien Il avait un gilet pare-balles, hein, franchement. On est à 5000. Chantage. On est à 500. D'accord. La possession d'armes. Mais j'ai un PPA. Non, vous n'avez pas de PPA, monsieur Kennedy. Putain, ouais, mais ils m'ont menti aussi. Possession d'armes, vous lui mettez la mini... Dans son casier, la dernière fois qu'il a été interpellé avec une arme illégale, ça date de quand? Oh, il y a longtemps! Oulala! Oh, ça date d'y. Attends, je regarde. Ouh, ça date, hein, des fous! Ah ouais, je me rappelle même plus tellement ça date. PPA, le 24. Ah ouais. 24 décembre. Ah, tu vois? Bon, putain, le jour de Noël, quoi. L'entrave à l'exercice de la justice, là en l'occurrence, vous leur mettez la max. Mais j'ai rien entravé du tout! Donc là, on est à environ 4500. Oh, vas-y, mais je m'en et fous. Et TIG. J'ai l'argent. C'est quoi? 1500 mais toi, TG, pourquoi tu me dis TG à chaque fois? Comment ça, 4500? Moi, j'ai pas 4500, moi! Non, pour monsieur Canet, vous avez 500$ plus 3000. Vous avez 3500$ plus 2 heures de travaux d'intérêt général. Tu peux me convertir les TIG en argent ou pas? Vous préférez payer? Bien sûr, rien à foutre, moi j'achète toute la ville. Bah, vous lui doublez du coup l'amende max. Ah, vous voilà. Achetez toute la ville. Ouais, ouais. Donc, un rendez-vous avec la proc, ça coûte combien à peu près? Eh ben non, c'est gratuit vu que t'es en face de moi. Allez, toc. Banks! Allez, Banks de le Banks! Bien joué! Donc, échec et mat, la proc! Ouais, en plus, je pourrais dire que j'ai couché avec elle, hein!
Vous avez absolument pas... T'étais couché tout à l'heure sur la table, j'étais derrière toi, qu'est-ce que tu me racontes? T'as pété un câble ou quoi? Allez, objection, votre honneur. Eh, Banks. T'as rajouté agression sur magistrat, peut-être? Je t'ai pas agressé, je t'ai sauvé. Tu m'avais agressé. Bon, ça fait combien alors du coup au total? Bah si on double, on est sur 9000 pour monsieur Renez. Allez, c'est bon, demain je fais un autre attentat, je m'en bats les couilles, c'est bon. Ah oui, bah écoutez, mettez-lui les TJ. Ah, mais non, mais je rigolais, mais c'est pas vrai, c'était une boutade. Du coup. Faites attention à ce que vous dites. Toi, depuis que tu mets plus de soutif, je te jure, t'as changé, voilà. C'est la liberté. Ah oui. Attends, on est d'accord que vous allez me rendre mon Beretta et mes C4, hein? On va rien prendre du tout. Quoi? Donc vous volez mon... Bon alors j'ai porté plainte dans la merde alors là. Allez-y, portez plainte. Hein. Mais ça va pas la tête. Bon voilà, ils ont pété un câble ici. Vous voulez aller en... à Bolingbrook ou pas dessus, monsieur derrière Walid? Oui, oui, lui il va y aller, ouais. Bah oui. T'as pas d'argent? Bah non, j'ai déjà découvert des 10 000, je crois vraiment que... Bah, allez, vas-y, fais-moi la facture, je vais payer pour lui. On peut faire non, ça Non, vous pouvez pas, il faudra lui donner l'argent. Mais c'est pareil. Non, on peut pas. Mais pourquoi? C'est pas grave. Oh, putain, mais merde. Putain. Troisième fois, putain, aujourd'hui. Ouais, je suis tendu, à chaque fois que je... Il va falloir appeler... Bien, monsieur Walid. Putain, Walid, ça va? Non mais là, regardez. Il faut rappeler le LSS. Non mais enlevez-lui la facture, parce que regardez, il est dans le mal là. Je lui enlèverai pas de facture, c'est vous qui l'avez agressé. Hein. Putain, meuf, oh là là, mais c'est grave. Ernest, soit je vous menote, soit vous tapez plus là. Non mais c'est trop là. Attends Walid, je vais t'aider. Ouais, on va s'échapper. Oh là là. Ils nous attendent. Oh là là, putain. Oh, je t'ai sauvé, tu vas rien payer du tout, regarde. 3500 dollars dans la poche, putain. T'as vu, je suis un bon ou pas? Putain, mais tu tapes fort, enfoiré. Ouais, des fous. Et pas que dans les hommes, croya. Clin d'œil. Tu vas en avoir un avis de recherche, putain. Ouais, mais au moins ça met des piments dans ta vie, croya. 3500 pour 3500 dollars. Non, mais ça va, tranquille, croya, c'est pas grand chose. Au secours, messieurs. Tout va bien, messieurs? Non, ça va pas du tout. Tu peux nous déposer à l'hôpital? Vas-y, merci. Ça va, tu vas bien? Très bien, vous. Tu t'appelles comment? Enfin, mieux que votre ami, j'imagine. Berman Travis. Bernard, enchanté, Bernard. Berman. Ah, t'es barman? Non, j'ai dit ton prénom, rien. Travis, mon nom de famille c'est Berman. Ah, ok, Travis, ça marche. Tu fais quoi dans la vie, Travis? Pour l'instant, pas grand chose. Pas grand chose, ouais, d'accord. Et tu étais au chômage? Bon, on peut dire ça. Moi, je suis terroriste, à mes heures perdues. Ok. Là, je sors d'un acte terroriste, donc du coup, là, je vais déposer. Là, je viens de coucher la proc et un flic et je me suis échappé du commissariat. Du coup, direction l'hôpital pour sauver mon ami, là. Ouais, on va faire vite parce que si tu me fais chauffer par les flics, c'est moi qui l'en ai. Tranquille Bernard, t'inquiète, on est ensemble. Ah non, et du coup, vous appelez comment? Je m'appelle Mathieu Rennes, enchanté. D'accord, enchanté. On est ensemble là, Bernard. Bah écoutez, on est ensemble. Je suis pas terroriste encore, mais. Ah non, pas encore, tu vois, c'est une question de temps en vérité, frère. Ouais, ça se pourrait. Bah merci, t'es un bon gars, tu fais plaisir. Hein. Y'a pas de soucis, monsieur. Ouais, salut. Allô? Ouais, ça va? J'ai pas fait exprès, hein. Vous êtes où là? Là, je suis à l'hôpital, là. Comment ça, vous êtes à l'hôpital? Bah, je suis à l'hôpital, hein. Mais vous avez été escorté par un agent ou pas? Oui. Qui ça? 52. 52? Mm-hmm. Mais attendez, on arrive. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Oh, merde. Ouais, alors. Et la proc qui arrive avec la police reste cachée, d'accord? Ok, d'accord. Quand je suis caché derrière le comptoir de l'accueil. Ok, vas-y, je vais essayer de sortir par l'arrière. J'aurais aimé savoir si je pouvais avoir un petit soin, une petite pommade, parce que j'ai une voiture assez haute et je sais pas descendre tout seul. Oh non, ils vont passer derrière. Oh non, ils vont passer derrière. Je voulais soir avec mon collègue. C'est sûr, ils vont passer derrière. Oui, oh merde, elle va arriver, non. Alors attends, tu veux que je te dise tous les coups? Bon, Coco. Il y a le camion de prison, les mecs, vous avez vu ou pas? Ils ont remis le camion de prison, les gars. Oh non. T'es pas tous les flics, C'est qui, ils sont la crabule? Monsieur Ranez et Monsieur Walid, super. Du tout. Non. Qu'on peut se permettre de faire un petit tour à l'hôpital, faudrait qu'on les arrête. Ce sont des personnes qui vont chercher. On est comme dans un hôpital, monsieur. Ouais. Bonsoir. Vous êtes où là actuellement? Je te vois. On est ici. Vous êtes où actuellement? Je te vois. Elle rigole pas. Où est-ce que vous êtes là? Je suis dehors. Où ça dehors? Vous êtes dehors l'hôpital? Ouais, non, elle a un peu une voix. Mais où dehors? Ok. Bonsoir, madame. Très bien, je vois. Oh non. Bonsoir. Je comprends, ouais. Non, un petit. Oui? Oui, vous êtes où là? Bah là, je viens de sortir de l'hôpital là. Oui, bah revenez à l'hôpital s'il vous plaît. Non, j'ai vu la police avec le camion de.
Attends, j'arrive. Attends, je vais niquer un chien. Les chiens, viens là. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, ta mère, toi, sale chien, va. C'est un chien de la police. Allô. C'est bon, j'ai niqué le chien de la police qui est allé vers l'hôpital. Ah, en plus, vous tuez les chiens. Ah ouais, j'en ai rien à foutre, hein, vraiment. Vu que c'est un agent de l'SPD, quoi. Tu sais, j'étais où? J'étais couché derrière le comptoir de l'accueil. Vous m'avez même pas vu, bon, this gag, va. Derrière le comptoir d'accueil. Oui, hein. Sauf que j'ai sorti après comme un guépard, quoi. Et là, vous êtes où, là, actuellement? Là, je suis en train de courir, là. Vous êtes en train de courir où? Non, ouais, sur l'autoroute, sur l'autoroute. Vous allez vous rendre, monsieur. Mais jamais de la vie, je me rends. Ah, vous ne pouvez pas vous rendre. Mais tu es malade, tu ou quoi? Écoutez, j'ai été très indulgente vis-à-vis de vous et votre ami. Mais là, si vous ne vous rendez pas, je vous préviens que je ne vais plus rigoler avec vous. Vous allez faire quoi? Vous allez vous énerver et sortir les griffes? Écoutez, la prochaine fois que vous ferez arrêter, ce sera pour un long moment, je vous le dis. Pour un moment, et si je fais rien, tu vas faire quoi? Bah si vous faites rien, ce sera la même chose, vous serez recherché. Bon, vas-y, ok, madame, rendez-vous dans mon jacuzzi tout nu alors. On se rend pas dans votre jacuzzi, venez à l'hôpital s'il vous plaît, il y a encore des agents qui sont en train de vous chercher pour rien là. Oui, j'ai vu le camion pour aller à Bolingbrook, c'est mort. Quel camion? Eh, pas à moi s'il te plaît, madame la prend, qu'espèce de menton, ça va. Votre ami devait faire une TIG, c'est pour ça. Non mais il est parti dormir, mon ami. Ah, il est parti dormir, votre ami. Bah oui, il s'en bat les couilles, bah oui. Ouais, il est parti dormir. Il est dans la merde, votre ami. Ouais, bah après, oui, je m'en fous, c'est lui, hein. Moi, je suis en train de faire mon footing, là, au calme. D'accord, très bien, bah écoutez, je préviens les agents, si vous souhaitez pas vous rendre. Mais de toute façon, mais je me rends de quoi? J'ai payé. Je vous dois rien, j'ai tout payé, moi. Non, mais attendez, vous nous avez réagressé encore tout à l'heure. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, donc là, vous nous devez une peine de prison, des travaux d'intérêt généraux. Oui, bah c'est bon. Eh, madame, je travaille toute ma vie, et de manière générale, donc ça va 10 minutes, votre histoire, là. Ah oui, vous êtes pas d'accord. Ouais, non. Bah non, je suis pas d'accord, voilà. Objection, votre honneur. Bah, vous serez recherché. Comment? Quoi? Comment ça? Vous serez recherché. Bon, allez, bouge pas, je vais sortir le tank, bouge pas.